Et salut les amis! Bon, aujourd'hui, comme je vous ai promis une assiduité hors du commun, je suis pas allé avec les copains parce qu'il fallait se lever vachement tôt et que ben, je suis toujours fragile le matin en ce moment là. Donc du coup, un petit tour de roue à côté de la maison fenouillée. Ça va pas être une très grosse sortie, je suis tout seul. Ben, juste histoire de tourner les jambes et d'être assidu quoi. Pour tenir ma promesse. Allez, ça part de là, à tout de suite. Allez, on se chauffe dans les vignes là, tranquillement, juste avant d'attaquer le petit coup de pétard et la montée derrière. Bon, ça fait tranquillou. Bon, ça caillouille encore, hein. 3 petits degrés. Il va falloir, je pense, à sortir les gants un petit peu plus chauds parce que j'ai les extrémités des doigts, ça picouille, ça picouille. Ah, enfin, que les gants d'été en même temps. Enfin, les gants d'été longs mais courts, hein, longs mais. Enfin, on s'en fout quoi. J'ai froid. Allez, mais toujours dans la montée. Chilling, chilling. Pas d'un côté, heureusement que je suis tout seul. Parce que sinon, ils m'ont encore attendu longtemps, les copains. Ça avance pas un poil. C'est là que je vois que j'ai vachement perdu en condition. Mais bon, pour la retrouver, il n'y a pas le choix. Même si c'est une petite sortie comme ça, là. Déjà, je suis super content d'être arrivé à me motiver à sortir tout seul. Même pour une petite sortie, c'est qu'il y a déjà du mieux par rapport aux quelques mois passés. C'est déjà une belle victoire. Puis on va se faire plaisir en descente aussi. On va essayer de retrouver un petit peu des sensations qui elles aussi se sont fortement barrées au plus le large. Enfin, comme ça. Allez, on s'accroche pour arriver en haut. Allez, c'est cadeau. C'est pour moi. C'est ça aussi le VTT, d'aller se dépasser pour avoir des vues imprenables, magnifiques. Et ça met du baume au cœur, ça fait du bien. Et j'espère que ça vous fait du bien aussi de voir la mer, le soleil, pour ceux qui ont la pluie, la boue. C'est pour ça aussi que je m'arrache, hein. C'est pour vous, hein. C'est cadeau. Allez, c'est parti, première descente, l'entre-deux blocs. On va se faire cette petite descente là, on remonte un petit peu et après on se fait la descente de la chapelle, ça fait longtemps qu'on l'a pas faite. Et après c'est fini, je vous ai dit, ce serait pas une grosse sortie. Tranquillou, tranquillou. Après, on va rejoindre madame et les enfants au marché de la Croix. Et on va finir cette sortie en terrasse, à siroter un petit truc pour se remonter le moral. Elle est pas belle l'entre-deux blocs les amis. Et encore le plus intéressant. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Le plus intéressant est après. On va faire la marche quand même. Qu'est-ce qui me prend à tout aseptiser. J'ai encore pas regardé mes suspensions, parce que comme j'ai pris 10 kg, je pense que ça vient aussi un peu de la fourche. Bon, bien qu'aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Mais la fourche, il faudrait que j'y rajoute un petit 5 PSI, parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus, je sais pas, elle est plus en adéquation avec l'arrière. Oh putain, ça fait du bien les gens. Ça fait du bien. On en manque quand même sous le capot, mais c'est pas si mal que ça. Puis après, en plus, je suis tout seul. On fait pas le con. Allez, pour celle-là, c'est fini. On va remonter un petit peu là. Et on va aller chercher la chapelle. Allez, c'est parti, c'est la remontada. On va se faire les 3-4 virages là. Et on va aller récupérer la descente de la chapelle. Bon, en tout cas, bien content sur cette première descente. C'était pas si catastrophique que ça. Pas comme la semaine dernière. Ça revient, ça revient, ça revient. Tranquillement, mais sûrement.
Allez, bon, on est arrivé à la chapelle. Bon, on va en profiter pour faire une petite prière pour retrouver au plus vite la forme. J'en avais déjà fait une, mais à mon avis, là, il m'a compris. Il a cru que j'avais dit retrouver les formes. Ah, pour ça, ça a marché, il a exaucé. Les formes, je les ai. Par contre, la forme, elle n'est pas là. Donc, on fait le tour tranquillement. Et on va aller se chercher une pure descente. Un petit peu plus technique que la première. Il va falloir faire gaffe. Là, donc c'est la descente de la chapelle au Fenouiller. J'aurais dû prendre des Protec. J'ai pas voulu ce matin comme un con. Et j'aurais dû. T'as vu que je parle moins en ce moment parce que je suis concentré. Ah. Bon, la première partie, c'est bon, et on attaque la deuxième. Ça, c'est vraiment quand t'as la forme et un bon coup de guidon. Ça, c'est des descentes qui sont magnifiques. Moi, il m'en manque sous le capot, donc bon, j'accuse un petit peu, mais il y en a qui se régalent là-dessus. Bah, je cherche mes trajectoires et c'est pas. Bah, je suis pas serein sur les passages techniques. Pourtant, c'est des passages que j'ai fait et refait. Et là aujourd'hui, tu vois, j'y suis pas. Allez, c'est reparti sur la fin. Et après, on va aller chercher celle du sanglier. Mais il y est plus, malheureusement. Il y avait une belle petite mascotte sur la croix. Putain, ça a raviné là aussi. Pfiou. Allez, jolie celle-là. Bon, je suis pas allé aussi vite qu'avant, mais je m'en suis pas trop mal sorti. Ça va. Pour un débutant, c'est pas si mal. Allez, on est de suite sur la deuxième descente. Il n'y a pas besoin de remonter là. Je me suis soigné pour pas trop me fatiguer aujourd'hui. Celle-là aussi, elle est technique. Elle est pas mal. C'est un petit peu glissant en plus, là, il y a la rosée, alors faire gaffe. Donc il y a quelqu'un qui l'a élagué. Tu vois, oh, putain, les racines. C'était une savonnette. Alors merci à celui qui l'a élagué. C'est top. Heureusement qu'il y a des gens qui le font, quoi. Il faut pas manquer à les remercier quand c'est fait dans les règles de l'art. Bon, ça me manque un peu de vitesse tout ça, mais je vous promets que ça glisse, les amis. Et puis en plus, avec les branches, tu vois plus qui sont au sol, tu vois pas s'il y a une racine ou pas. C'est pas par-dessus. Non, c'est bon. Allez, c'est fait. Ah, tu vois, ça c'est une petite sortie, mais c'est du condensé en montée. Enfin, en montée, ça va. Mais c'est du condensé en descente. J'ai pris pour moi ce qu'il y a de vraiment pas mal. De vraiment sympa pour se faire plaisir, quoi. Quitte à faire petit, autant faire du qualitatif.
Bon ben voilà, malheureusement le petit sanglier, ouais, ça fait un moment que je l'ai plus vu, à mon avis il a dû passer à la casserole, enfin il est mort de vieillesse. C'est con parce que c'était sympa, c'était la mascotte de l'accro. Bon mais comme vous avez pu voir, pas une super grande sortie, mais par contre que du condensé, que du bon. Content quand même, je retrouve un petit peu de la niaque en descente, malgré que ça aille pas très vite et machin, mais j'ai fait, ça revient quoi, doucement mais ça revient. Voilà, sinon en termes de trucs, j'ai même pas fait 10 bornes, 300 mètres de dénivelé, c'est pas grand chose, mais au moins ça a fait tourner les jambes. Assiduité 2022. Allez, ciao les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ciao tout le monde!